Terre en chute libre, mais sans jamais toucher le sol, donc il va se mettre en orbite autour de la Terre. Et si vous lui donnez une vitesse de 11,2 par seconde, qui est la vitesse mais de libération, ben l'objet, ils ont quitté le champ gravitationnel de la Terre. Donc c'est dans ces circonstances classiques bien connues du temps de Newton. Paul John Mitchell, l'autre est le fameux marquis de la place, ont imaginé qu'il puisse exister dans l'univers des astres gigantesques à la surface desquels la vitesse de libération atteignait la vitesse de la lumière. Fascinant. Les étoiles à nous. Ça, les ondes gravitationnelles, etc. L'archétype vraiment du concept qui fascine. Alors effectivement, en revenant, vous l'avez fait, donc beaucoup plus voyage sur Mars était absolument fascinant. J'espère que vous serez dans ce monde et par cette plongée qui absorbe toute matière, toute énergie et toute lumière et dont rien ne ressort. Alors il faut tout de même rappeler que, donc je vais vous donner les dernières nouvelles, qui est un sujet assez ancien. Puisque donc les premières intuitions qui puissent exister des astres invisibles dans l'univers remontent. Invitation. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais faire une tentative aujourd'hui. Je vais montrer ma tronche dans l'interface. Voilà, vous me direz en commentaire si vous trouvez que c'est plus vivant, plus convivial, ou si vous n'en avez rien à faire. Voilà. Alors par contre, ça va trahir un peu ma façon de travailler, puisque je fais énormément de coupes, passant beaucoup de temps à chercher mes mots, à hésiter à me tromper. Quand on est en audio, ça ne se voit pas trop. Voilà, avec les images, ça risque de se voir. Voilà, vous êtes prévenus. Je dis beaucoup « voilà », donc... Je vais essayer d'en garder quelques-uns pour le fun et de les couper quand ils seront trop insupportables. Bref, commençons en créant un patch vide. Donc là, je vous montre un peu le workspace que j'ai utilisé pour faire ma petite démo. Donc sur ma gauche, j'ai un rack avec le fameux stutter que nous allons apprendre à construire. Le rack 2 contient la conférence sur les trous noirs qu'on peut trouver sur internet de je ne sais pas trop qui. Le rack 3, c'est un patch qu'on trouve dans l'usine qui s'appelle Groove Matrix, qui fait une rythmique. Voilà. Bah, deux stratégies différentes déjà. Le premier, deux racks en parallèle. Le deuxième, deux patchs en série. Je vais cacher ça. Le rack 5, c'est un rack vide et nous allons recréer exactement à l'identique ce patch là. CTRL B, pomme B, j'ouvre le browser, je vais dans module, je tape sampler, je vais prendre un bête sampler recorder, voilà, stéréo, je tire tout de suite avec shift CTRL de câble en entrée, je vais mettre un contrôle de pitch qui va nous servir, un contrôle de rec, et pour l'instant on va s'arrêter là. Je vais vouloir opérer un switch entre le moment où l'effet sera activé et où l'effet ne le sera pas. Donc c'est pour ça que je ne relis pas pour l'instant mes sorties audio. Je vais intercaler un module crossfade. Voilà, je garde les valeurs par défaut. Et là, je peux mettre mes sorties. Alors toujours Shift CTRL pour gagner du temps sur la connexion de sorties multiples. Et ce que je vais faire à présent, c'est relier le rec au cross. Le rec ne sera plus un rec, on va l'appeler freeze ou stut, comme vous préférez. Alors, freezer, j'aime pas trop l'appellation parce qu'elle est confusante avec un outil freeze. On verra sans doute comment en fabriquer un qui vraiment gèle, enfin donne une impression de geler le son. Là, c'est vraiment créer des patterns rythmiques très... très bref dont il s'agit. Vous allez comprendre pourquoi, mais mon switch freeze, je vais vouloir qu'il ait un effet inversé par rapport au rec, c'est-à-dire que mon sampler va être en train d'enregistrer en permanence, sauf au moment où je vais activer le freeze. Donc pour
inverser l'ordre. J'ai deux modules utiles. Dans la section mathématiques, je vais utiliser soit un 1-x qui va inverser, en fait, quand x égale 1, ma sortie est de 0, et quand x égale 0, ma sortie est de 1. Ou alors, plus logiquement, un module note qui va aussi avoir le même effet, c'est-à-dire qu'il va envoyer un 0 pour 1 et un 1 pour 0. Voilà. Je vais cliquer sur mon sampler pour avoir accès à ces réglages. Et là, je vais modifier de manière définitive tout un tas de paramètres. Le premier, alors on voit qu'il est déjà en train d'enregistrer. Rec mode, je vais me mettre en circular buffer fix size. En faisant ça, je demande au sampler d'enregistrer en permanence sur une durée préétablie, donc qui est fixe, qui ne change pas, et à chaque nouvel enregistrement, il efface le contenu de la mémoire et il crée un nouvel enregistrement. Ça fait une espèce de tampon, finalement, avec un certain temps, qui est réalimenté en permanence. Donc on va devoir définir la durée de ce cycle d'enregistrement. Donc si j'étends les propriétés de mon sampler, j'ai accès à l'entrée max rec time. Alors ce max rec time, je pourrais le renseigner directement ici. Hein. Là on est à 15 secondes par défaut, je pourrais mettre une seconde. Donc là on voit que le sampler enregistre. Je vais cacher les autres. Voilà, alors pour l'instant on ne voit pas, je vais activer la loupe. Donc dans mon sampler j'active la loupe, voilà, et là je vois que mon sampler est en train d'enregistrer toutes les secondes. Et chaque seconde il efface et il recommence un nouvel enregistrement. Donc moi ce qui va m'intéresser c'est de calibrer cette durée sur un temps musical. Donc des noirs, des croches, une mesure, une double croche, etc. Donc pour récupérer cette information, donc on voit que dans Usine j'ai un tempo, je vais aller dans Master Synchro ou Master, et je trouve Synchro Master. Voilà, et là je récupère toutes les informations liées à la synchro, donc le tempo, la longueur du cycle, la longueur des mesures, etc. Je vais prendre comme référence la longueur des mesures, bar duration, et dans le browser, je vais aller chercher un module combo box. Un module combo box, c'est une boîte dans laquelle on peut renseigner des valeurs et des instructions sous forme de liste, comme ça. Donc par défaut, 4 valeurs. Et quand je clique sur le combo box, je vois que je peux changer ces valeurs. Je peux aussi l'appeler, donc je peux mettre durée par exemple. Et ici, en fait, quand je vais choisir A, le combo box va m'envoyer la valeur 0, B la valeur 1, C la valeur 2, D la valeur 3. Moi je vais vouloir envoyer d'autres valeurs, donc je vais d'abord mettre ce que je veux envoyer. Donc je vais pouvoir choisir ma durée entre mesure, tempo, décroche. Alors là, ça va pas suffire parce que pour l'instant, quand je vais choisir bar ici, je vais avoir 0 qui est envoyé, bit, j'en vois 1, etc. Moi, je veux faire correspondre les sorties à des unités musicales. Donc, je vais rajouter à chaque fois quelle valeur je veux envoyer. Donc, je fais égal, égal 1. Vous allez comprendre pourquoi après. Égale 4 pour le temps, égale 8. Voilà, après, c'est assez logique. Égale 12. Un petit contrôle S par sécurité. Et donc là, si je choisis la double croche, je vais avoir en sortie 16. Voilà. Donc moi, je veux pas 16, mais je veux un 16e du temps de ma mesure. Donc très simple. Je vais dans le module mathématiques, je prends la durée de ma mesure qui est de 2000 millisecondes, je la divise par 16, j'obtiens 125, 125 c'est la durée d'une double croche en millisecondes. Le temps dans le sampler est exprimé en secondes, donc je vais devoir diviser
ce résultat par 1000. Et j'ai 0,125 secondes comme temps. Voilà, donc on voit que le sampler s'affole. Et si je vais à la mesure, je peux à présent changer la durée de ma fenêtre. Donc on est déjà pas trop mal dans notre avancement. Alors oui, une pratique que j'ai assez couramment, c'est de réinitialiser certains paramètres, par exemple, pour créer vraiment des modulations dynamiques. J'ai rajouté le pitch pour avoir un mode d'expression supplémentaire. Ce qui va m'intéresser, c'est par exemple de réinitialiser le pitch à chaque fois que le freeze s'arrête, pour pas me faire surprendre, c'est-à-dire, en gros, je vais capturer mon son, je vais jouer avec le pitch, et quand je vais lâcher la capture, mon pitch va se remettre à zéro pour la prochaine capture, pour pas avoir de surprise. Je pourrais faire ça pour pas mal d'opérations. C'est l'occasion de découvrir un module très utile qui s'appelle From 1 to 0, qui va avoir la particularité d'envoyer un 1 de manière ponctuelle quand le switch freeze va retourner à 0. Et du coup, je vais relier ce from 0 to 1 au reset de mon fader. Du coup, je freeze. Je peux jouer sur la vitesse pitch de mon freeze. Et quand je relâche, mon pitch revient bien à 0. Je pense que nous avons fait le tour. On va pouvoir à présent tester. Je vais envoyer notre astrophysicien dans le fond qui absorbe toute matière, toute énergie et toute lumière et dont rien ne ressort. Alors il faut tout de même rappeler que... Donc, je vais vous donner les dernières nouvelles, parce que c'est un sujet... J'essaie comme ça en cliquant sur le freeze. Assez ancien. Tuition qui puisse exister. J'ai bien capturé une mesure au cours du temps, d'abord sur le plan théorique et puis maintenant sur le plan une double croche. On rappelle un historique et puis vous parlez des dernières découvertes et évidemment des nouvelles questions. Qui sont... Et après, j'ai plus qu'à prendre un contrôleur. Donc là, j'ai celui-ci. Qui est déjà présent dans les théories ordinaires. Le MIDI Twister Fighter que je recommande. Et je vais faire un learn. Tais-toi, l'astrophysicien. Je vais faire un learn sur le pitch. Là, par exemple. Hop. Le freeze et la durée. Pourquoi je recommande ce twister machin? Parce que il a la particularité de pouvoir récupérer une information, c'est-à-dire que je peux modifier la vitesse et le pitch dans ce sens-là, mais je peux également le faire à la souris et lui va suivre. Ce qui fait que quand je vais réinitialiser ma valeur, elle va aussi se réinitialiser sur le contrôleur. C'est formidable, c'est merveilleux. Donc, il ne reste plus qu'à jouer. Sont l'archétype vraiment du concept qui fascine. Alors, effectivement, du concept qui fascine. Alors, effectivement, du concept qui fascine. Par cette plongée. Voilà. Et donc là, mon pitch est à zéro. Merveilleux. Des trous noirs. Alors il faut tout de même rappeler que... C'est tout pour ce stutter, freezer, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Voilà. Bon, c'est pas mirobolant, mais ça permet de faire un patch simple avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, enfin une quinzaine de petits modules très simples d'obtenir un résultat qui peut être sympa. Mieux en tout cas que ma superbe démo d'introduction. Voilà, et ben sur ce, amusez-vous bien, bonne découverte et à bientôt.